In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see à l'étape suivante. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors or connecteurs séquentiels. Are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about a l'étape suivante. The sequential connector a l'étape suivante is translated to in the next step or in the following stage in English. So, we will see some examples with a l'étape suivante. A l'étape suivante. Nous allons examiner en détail les données recueillies. À l'étape suivante, nous allons examiner en détail les données recueillies. Nous avons terminé la phase de conception et à l'étape suivante, nous passerons à la phase de développement. Nous avons terminé la phase de conception et à l'étape suivante, nous passerons à la phase de développement. À l'étape suivante, nous discuterons des résultats de l'enquête avec l'équipe. À l'étape suivante, nous discuterons des résultats de l'enquête avec l'équipe. Après avoir sélectionné les candidats, à l'étape suivante, nous organiserons les entretiens d'embauche. Après avoir sélectionné les candidats, à l'étape suivante, nous organiserons les entretiens d'embauche. Nous avons terminé la formation de base et à l'étape suivante, nous nous concentrerons sur des formations spécialisées. Nous avons terminé la formation de base et à l'étape suivante, nous nous concentrerons sur des formations spécialisées. À l'étape suivante, nous devrons définir les objectifs à court et à long terme de l'entreprise. À l'étape suivante, nous devrons définir les objectifs à court et à long terme de l'entreprise.